Hello and welcome to the Circular Metabolism Podcast. This podcast is hosted by the Chair of Circular Economy and Urban Metabolism held by Aristide Athanasiadis and Stefan Kamperman at the Université Libre de Bruxelles. In this podcast, we talk with researchers, policymakers, and different practitioners to unravel the complex aspects of what makes urban metabolism and economies more circular. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stefan Kamperman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans ce premier épisode du podcast Circular Economy, Stéphane et moi on se présente et on présente les objectifs de la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain. Pour mieux situer notre discussion et les discussions futures que nous allons avoir au podcast suivant, on essaye de mieux définir l'économie circulaire et plus particulièrement dans le contexte des villes. En effet, il existe une excitation de différents stakeholders autour de l'économie circulaire et chacun propose une autre définition et une autre vision. Nous, on utilise le prisme du métabolisme urbain pour réfléchir, analyser et offrir un regard plus critique sur ces initiatives qui prennent place sur notre laboratoire qu'est Bruxelles, ainsi qu'ailleurs. Profitez de cet épisode et rendez-vous sur notre site circularmetabolisme.com pour retrouver plus de nos réflexions et productions. Bonjour, je m'appelle Stefan Kamperman. Je suis économiste et je travaille à l'Université Libre de Bruxelles. Et j'anime avec mon collègue Aristide la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain, dont on va présenter aujourd'hui les contours et les objectifs. On va en parler dans un instant, comment un économiste est arrivé en économie circulaire et qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Je vais aussi me présenter comme toi. Donc moi, c'est Aristide Athanasiadis. On co-anime la chaire avec Stéphane et je suis ingénieur et urbaniste. Et moi, je suis plutôt dans la faculté d'ingénierie à l'ULB. Mais bon, peut-être qu'on peut donner notre interprétation sur l'économie circulaire et le métabolisme urbain, où du coup, ça va aussi interpréter un peu tout ce qu'on va dire dans les prochains épisodes. De qu'est-ce que c'est pour nous l'économie circulaire et pourquoi cette chaire va aider ou pas dans cette... Okay. Quête de Bruxelles dans le métabolisme urbain et l'économie circulaire. Ok, donc je peux commencer à parler un peu de ce que c'est l'économie circulaire pour nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on entend quand même pas mal dans les médias. Il y a beaucoup des projets en économie circulaire qui sont lancés par des entreprises. Et il y a aussi des villes ou des pays qui se mettent en route vers une économie circulaire avec des plans d'action, avec des plans stratégiques, etc. Donc, je pense on peut trouver en noyau dur ou des éléments communs dans toute cette discussion sur l'économie circulaire qui résonnent quand même chez beaucoup de gens et en tout cas pour moi. C'est l'économie circulaire, c'est une sorte de réponse ou d'opposition par rapport à l'économie linéaire. Et l'économie linéaire, c'est l'économie qui nous entoure, hein. C'est l'idée qu'on peut extraire des ressources, des matières premières d'un côté, les convertir en biens, les utiliser pour faire du profit. Et puis, à la fin de vie des produits, on jette et on produit des déchets et de la pollution. Donc ça, c'est le modèle ou le fonctionnement de l'économie mainstream. Et en opposition à ces modèles, qui touche clairement à ses limites, parce que des deux côtés, on a une déplétion des ressources d'un côté, on aura au futur de plus en plus du mal à produire les ressources nécessaires pour maintenir ce fonctionnement. Donc ça, c'est un problème. Et de l'autre côté, de l'autre bout de la chaîne, au niveau de la production de déchets et de la pollution, on touche aussi à des limites dans la pollution de l'air, les décharges, l'incinération. On n'a pas trouvé même les grands systèmes de recyclage n'ont pas trouvé des parades à la production des déchets et de la pollution dans les grandes villes
des pays comme la Belgique. Donc ça, je pense que l'économie circulaire est avant tout une réponse à cela. Après, qu'est-ce que c'est de manière positive? Enfin, qu'est-ce que ça va être ou qu'est-ce que ça peut être l'économie circulaire? Là, il y a encore un champ d'expérimentation très très large ouverte. Il y a des interprétations différentes de ce que c'est. On peut imaginer une économie circulaire des multinationales qui essayent d'optimiser leur utilisation des ressources d'un côté, mais on peut aussi penser à une rupture par rapport au fonctionnement des villes dans leur ensemble, y compris sur le modèle économique derrière. Mais nous, justement, enfin, moi en tout cas en tant qu'économiste, c'est justement cette diversité de possibles trajectoires vers l'économie circulaire qui est intéressant et qui est un peu notre objet de recherche. Est-ce que ça va être quelque chose enfin, spécifique à une ville, à un fonctionnement, à un écosystème d'acteurs? Est-ce qu'il faut l'intégration des grands groupes et du capital pour pouvoir faire cette transition? Donc voilà, ça c'est plutôt des questions de départ et pas de prise de position qu'on adopte déjà à présent. Donc voilà, ça c'est une petite introduction pour notre perspective par rapport à l'économie circulaire. Mais Ouais. peut-être compléter de ton côté, Mais je peux. urbaniste ingénieur. Le truc intéressant, je pense que pour nous, et on tenait énormément à mettre le mot métabolisme urbain avec l'économie circulaire, c'est que déjà, quand on parle d'économie circulaire dans des villes, c'est très très différent que quand on parle de l'économie circulaire à l'échelle d'une économie nationale ou à l'échelle d'une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, on peut facilement optimiser, comme tu dis, ses flux. Allez, un pays également, parce que ça reste très générique et il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des activités d'extraction, il y a des activités de production, il y a des activités de gestion de projet, de déchets. Dans les villes, il y a pas tout, quoi. On est le nœud de plein de choses, mais il y a plein de pratiques qui ne sont pas présentes. On n'a pas d'extraction, on n'a pas de gestion, ouais, on n'a pas de recyclage souvent dans les villes. Et du coup, on apporte aussi le volet métabolisme urbain qui, lui, est plutôt l'analyse des flux des villes, la compréhension un peu plus complexe, un peu plus systémique des villes. Et on rajoute un peu des couches, je pense, grâce à ça, de distance, de critique par rapport à ce que l'économie circulaire peut et ne pas apporter. C'est une promesse. Je pense que, voilà, personnellement, j'ai commencé avec le métabolisme urbain. Et maintenant, je rattache à l'économie circulaire parce que c'est une opportunité que les villes ont embranchée, les gouvernements se sont dit on y va. Et je pense que nous deux, mais on va en parler maintenant, on essaye de se dire quels sont réellement les risques ou pas de mettre en place des programmes, des actions d'économie circulaire à l'échelle des villes. Et je pense que là-dedans, on peut prendre l'exemple de Bruxelles et continuer. En quoi sert notre chaire? C'est que Bruxelles, voilà, il y a 2 ans maintenant, elle a lancé son programme régional d'économie circulaire avec 110 actions. Et au préalable, ils avaient effectué une étude de métabolisme urbain en essayant d'analyser un peu les flux et de se dire, tiens, quels sont les grands enjeux, quels sont les grands chantiers d'économie circulaire qu'on peut mettre en place. Grâce à ça, ils ont fait quelque chose de très grand et très ambitieux comme projet, comme programme. Et je pense que c'est là qu'on intervient aussi avec la chaire. C'est un peu cet effet miroir. En tout cas, les administrations voulaient un peu de nous qu'on réfléchisse avec eux sur comment on met en place, est-ce qu'on le met bien en place, est-ce qu'il y a d'autres choses à considérer. Enfin, peut-être tu peux élaborer sur le Ouais. rôle de la chaire par rapport à ça. Donc, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est cette question, qu'est-ce qui se passe lorsque l'économie circulaire arrive sur un territoire urbain et comment on passe d'un côté des schémas circulaires très théoriques et très faciles à faire. Hein. On peut toujours dire, ben, OK, on ne fait plus d'extraction de ressources, on ne fait plus de production de déchets, on va dessiner en cercle et voilà, le tour est joué. Voilà les 10 modèles d'affaires qui correspondent à ce fonctionnement circulaire. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse moins parce que c'est théorique et c'est facile à détourner aussi pour faire du greenwashing par exemple. Ce qui est vraiment passionnant, c'est de savoir
comment cette économie circulaire serait incarnée dans un espace métropolitain donné. Et là, on est à Bruxelles, donc c'est notre laboratoire, notre terrain d'observation. Comment on pourrait s'imaginer une économie circulaire pour une ville principalement tertiaire comme Bruxelles, avec la taille d'une métropole quand même, avec plus d'un million d'habitants, avec des flux extrêmement importants qui proviennent de l'extérieur de la ville, comme Aristide dit. La ville, elle ne produit pas ses matières premières, elle ne produit pas ses matières de construction pour renouveler son stock de bâti, elle ne produit pas la nourriture qui permet à la nourrir. Donc la ville, elle entretient par définition des liens métaboliques avec d'autres territoires qui sont à l'extérieur. La ville de Bruxelles a une économie tertiaire, mais quand même sur une base matérielle, parce qu'il faut bien, enfin, il faut bien faire vivre cette population qui habite en son sein. Et les entreprises bruxelloises, même si en tertiaire, ont un lien avec l'économie matérielle. Du coup, le métabolisme urbain, la perspective du métabolisme urbain permet d'avoir une discussion territoriale de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quels seront les espaces nécessaires pour l'économie circulaire. Est-ce qu'on a besoin de nouvelles infrastructures pour recirculariser certains biens? Où est-ce que ces entreprises circulaires dont on parle vont se situer sur le territoire? Quel type de bâtiments sont recherchés par ces entreprises? Est-ce qu'on a tout simplement à Bruxelles le type d'entrepreneuriat ou le type d'entreprise qui pourrait offrir une offre en économie circulaire, étant donné que bon, voilà, Bruxelles, c'est quand même beaucoup de bureaux, beaucoup de services de conseil ou de services de ce qu'on appelle le contrôle et commandement. Est-ce que ce type d'économie circulaire pourrait émerger comme ça à Bruxelles? Et quel rôle la planification urbaine ou les administrations peuvent jouer dans la stimulation, dans la recherche de cette économie circulaire? Donc, c'est des questions territoriales et de développement urbain qui se posent et voilà, qui sont passionnants parce que c'est tout nouveau et jusqu'ici, les autorités publiques ont plutôt tendance à laisser aller l'économie dans son développement. Et c'est un peu le marché qui a plus enfin, dirigé les stratégies de développement économique. Et ici à Bruxelles, on est maintenant dans un cas de figure où ce sont les administrations qui poussent un certain développement économique vers la circularité. Et ce n'est pas forcément le marché ou les entrepreneurs qui ont en fait en mis ça en avant. Donc c'est aussi une nouvelle manière d'imaginer le développement économique qui est plus peut-être voilà, qui est plus rationnel ou plus orienté, plus long terme aussi, plus avec on intègre plus les problèmes environnementaux ou des problèmes sociétaux que je dirais les années 70, 80 où était enfin où on a tout misé sur le marché dans une logique néolibérale, on dit voilà, on laisse aller. Et voilà, donc comme c'est une nouvelle posture, ça demande aussi des nouvelles réflexions, des nouveaux outils d'aide à la décision au niveau de ces programmes d'économie circulaire. Et nous, on essaie de proposer un peu aux administrations, aux autres partenaires, hein, que ce soit les entreprises ou les associations, on regarde un peu plus. Enfin voilà, quand même avec un certain recul académique, de dire voilà, est-ce que les décisions qu'on prend par rapport à la direction de l'économie circulaire en contexte urbain, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on va pas avoir des effets de rebond ou des effets de pervers en bout de ligne? Est-ce que y a pas des choses qui manquent, par exemple, dans la perspective actuelle? Est-ce qu'il y a des blind spots ou des hotspots de l'économie circulaire qui ne sont pas encore identifiés, qu'on pourrait encore développer davantage? Donc, c'est ça un peu, je pense, l'apport qu'on veut donner, ce recul académique ou en certains reculs, sans être dans une tour d'ivoire et complètement détaché. Pour pouvoir donner des recommandations, pour pouvoir analyser, on doit regarder de près ce qui se passe, on fait partie un peu de discussion. Donc c'est un peu la recherche en étant quand même dans l'action, comme posture épistémologique de la démarche de notre chaire en économie circulaire et métabolisme urbain. Peut-être qu'on peut rappeler un peu ce programme. Il faut dire que voilà, c'est un programme assez vaste. Le programme d'économie circulaire de la région. Oui, je pense que voilà,
c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même trois ministères derrière ça. Il y a 4 à 5 à 6 administrations derrière ça, incluant l'économie, l'environnement, la planification territoriale, l'innovation, la gestion des déchets, enfin, l'aménagement urbain, etc. Enfin, il y a énormément d'administrations actives là-dedans. Et je pense que c'est là où est l'enjeu et c'est là qui est intéressant pour nous également de servir comme interface, entre guillemets, de mieux comprendre aussi quels sont les enjeux de chacune de ces administrations quand on parle d'économie circulaire, parce qu'elles sont complètement différentes. Donc il y a certaines administrations qui vont porter des appels à projets d'économie circulaire, et on a des lauréats à Bruxelles, ce qui est génial. Il y en a d'autres qui vont essayer de voir, oui, mais où est-ce qu'on met ces lauréats réellement dans le lieu, enfin dans Bruxelles? Il y en a d'autres qui vont se dire comment on va les financer, etc., etc. Donc, et là, dans tout ce programme-là, donc il y a l'innovation, et c'est l'innovation, donc Innoviris qui s'est dit, voilà, ce serait bien aussi de se doter d'une chaire d'économie circulaire. Et on rentre un peu, donc c'est assez marrant parce qu'on est partie intègre du programme régional, donc on est une de ces actions-là, on fait partie, d'ailleurs on en répond à trois, mais on est aussi un peu distancé de ça. Donc on a un peu le rôle schizophrène de faire partie, mais aussi de critiquer, dans le bon sens du terme, critiquer les actions, quoi. Et je pense que l'idée, et on va en revenir maintenant, c'est que voilà, les administrations, ils font énormément de travail, elles sont convaincues, mais malheureusement ou heureusement, les académiques n'étaient pas dans cette discussion au préalable ou de trop. Et je pense que c'est un de notre rôle également, c'est de se dire, tiens, quel est le rôle de l'académique dans un plan aussi vaste d'administration? Comment on peut aider? Quel est le rôle de la recherche là-dedans? Évidemment, nous, en tant que chercheurs, disons que la valorisation, c'est produire des articles scientifiques et rester dans notre tour d'ivoire, si on veut. Donc voilà, je pense qu'il y a une mission forte d'Innoviris quand on en discutait, de penser à la recherche d'une manière différente également. Et pour nous, c'est une expérience, comme tu disais. Je veux dire, nous, en tant que chercheurs du métabolisme urbain et de l'économie circulaire, au préalable, voilà, on a fait le schéma classique qui est d'analyser les flux qui rentrent, les flux qui sortent, essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais au bout d'un certain moment, on doit être réaliste. Et les personnes qui vont changer ce métabolisme, c'est les administrations ou c'est les acteurs. Donc là, entre guillemets, nous, on apprend également à observer comment on observe une transition d'un métabolisme urbain ou d'une économie circulaire via des plans qui sont ceux-là. Donc c'est un travail nouveau pour nous, je pense, et pour les chercheurs également, de se dire comment créer cette interface entre chercheurs, entre administration et entre acteurs. Ces acteurs peuvent être des entrepreneurs, ils peuvent être des associations, la société civile, etc., etc. Donc c'est tout un nouveau domaine qu'on découvre, je pense, et qui est vraiment intéressant. Peut-être il est intéressant de revenir un peu à une question plus générale de qu'est-ce que c'est l'économie circulaire à Bruxelles aujourd'hui, de notre point de vue. Donc moi j'ai l'impression que l'origine de la discussion sur l'économie circulaire à Bruxelles était un peu une idée de capitalisme vert qui faisait partie de l'Alliance Emploi-Environnement, qui était un programme du gouvernement régional précédent, avec cette idée, ben voilà, on a besoin d'emplois, on a des problèmes environnementaux, et ces problèmes environnementaux vont être résolu par une offre de services ou une offre économique des entreprises bruxelloises. Donc ça va créer des emplois. Et donc on a voilà, une symbiose entre l'environnement et l'économie dans cette alliance emploi-environnement. Et ça a été fort poussé par le parti écolo qui était à la tête du ministère de l'Environnement à l'époque, avec Evelyne Uyttebroeck, mais quand même en partenariat avec le ministère d'économie et l'administration économique.
Donc, après l'alliance emploi-environnement, métamorphosée est devenue, après différentes discussions et la sortie du parti écolo du gouvernement, le programme régional d'économie circulaire, qui se concentre vraiment sur ce modèle économique de la circularité, mais qui maintient l'idée selon laquelle les problèmes environnementaux sont des opportunités économiques. Et cette manière de faire, ou cette manière d'envisager les choses, a conduit à une posture, à des actions de la part du gouvernement qui visent surtout à stimuler l'entrepreneuriat. Et voilà, on va aider par exemple aux startups qui ont des modèles circulaires à se lancer en leur donnant des subventions, notamment par exemple dans le programme, enfin dans l'appel à projet bicirculaire. Donc c'est ça, je pense, pour l'instant, les lignes de force de ce qui se passe en termes d'économie circulaire aujourd'hui. Donc on a des startups qui se sont lancées, qui ont des modèles circulaires. On a une sorte d'hypothèse que l'économie circulaire, c'est bien pour l'environnement et pour l'économie. Et on arrive maintenant à un moment où nous, les académiques, entrons un peu dans la danse avec nos outils d'observation plus macro, où on dit, est-ce que ça suffira? Est-ce que ces bouts de start-up, ces entrepreneuriats durables, est-ce que c'est ça ce qui va vraiment faire un changement vers une réduction De notre consommation, importante de la production de déchets, vers quelque chose qui va vraiment changer la manière dont la ville tourne? Et donc, du coup, on pose des questions aussi sur les grandes infrastructures de la gestion de déchets, la manière dont on collecte les déchets, dont on traite les déchets par les grandes infrastructures, qui ne sont pas vraiment des opportunités économiques immédiates, qui sont plutôt, voilà, c'est la manière dont la ville fonctionne. Ce n'est pas évident comment ça crée de l'emploi immédiatement comme ça, mais c'est évident que le grand flux passe par là. Donc il faudrait mener quand même une réflexion sur le fonctionnement général de la ville et pas seulement sur comment stimuler mieux l'entrepreneuriat. Et il y a des grands freins aussi à l'idée que les entrepreneurs eux-mêmes vont sauver le problème, parce que Bruxelles, ce n'est pas vraiment une ville entrepreneuriale dans ce domaine-là. Bruxelles, c'est avant tout des bureaux et des fonctionnaires et une population très démunie avec peu d'accès au capital et des connaissances nécessaires pour peut-être monter une entreprise technologique ou très sophistiquée. Donc du coup, il y a une mince couche d'entrepreneuriat qui profite maintenant des appels à projets de bicirculaire et les milieux associatifs avec l'économie sociale qui est très dynamique à Bruxelles. Mais on reste confiné quand même aujourd'hui à une économie circulaire de niche, des niches dans son impact sur le volume, mais aussi des niches par rapport à quelle partie de l'économie urbaine est activée en fait pour l'économie circulaire. Donc là, pour nous, c'est très intéressant d'essayer de réfléchir comment on peut élargir, peut-être comment on peut coloniser d'autres pans de l'économie urbaine dans la promotion de l'économie circulaire, comme le secteur immobilier, les projets urbains, le rôle du projet urbain dans l'économie circulaire, et pas se concentrer uniquement sur le rôle de l'entrepreneuriat et des startups dans l'économie circulaire. Mais ce qui serait bien aussi de rappeler, c'est, voilà, on a une idée de comment se lancer, de comment poser ces questions et de comment opérationnaliser tout ça. Je pense que tout ça va évoluer dans le futur, évidemment, et qu'on se pose ces questions de manière incrémentale et progressive. C'est que, voilà, on est parti du constat que, premièrement, on doit mieux comprendre nous-mêmes ce qui se passe à Bruxelles et en Belgique en termes de recherche d'économie circulaire, pour ne pas faire de doublons, pour essayer de créer cette collaboration, parce qu'entre nous, honnêtement, dans le milieu académique,
souvent il y a des projets parallèles qui font plus ou moins la même chose sans même le savoir. Et voilà, c'est la faute à personne, c'est la faute qu'il y a un manque de coopération, collaboration, de communication. On va essayer d'essayer de réduire ce manque de communication, ça c'est clair, ça c'est une partie. De l'autre côté, il y a les administrations qui disent voilà, on fait comme ça parce qu'on fait comme on peut et comme on sait, et les best practices qu'on peut trouver à l'extérieur, bah, les voilà. Et nous, on dit bah écoute, il y a telle université qui fait ce beau projet, et ça fait depuis des années, ça rentre pas dans l'économie circulaire, mais ça peut nous aider aussi. Donc on essaye entre guillemets, de faire ce matchmaking, mais aussi essayer de se dire, tiens, bah voilà, ces entrepreneurs ou associations qui se disent, voilà, j'ai une idée, est-ce que ça marche à Bruxelles, est-ce que ça vaut la peine, comment je peux être aidé? Voilà, on n'est pas non plus le mécanisme qui aide à créer des business models, quoi, mais c'est plutôt, tiens, il y a déjà tout ça, peut-être qu'il faudrait que tu regardes un peu différemment, il y a des appels à projets, que ça soit Innoviris ou de Hub ou de la recherche, qu'on aimerait bien t'intégrer dedans parce que une personne comme toi serait super intéressante à complémenter la recherche. Et je pense que c'est vraiment le cœur de notre travail là-dedans. On appelait ça d'accélérer et d'améliorer les échanges entre ces trois milieux. Et ça, on le fait un peu de différentes manières. Donc c'est du one-on-one, on a beaucoup d'appels, de meetings, de Skype. Mais il y a aussi cet aspect de petits projets qui vont amener des gros projets, en tout cas on l'espère, quoi. À l'intérieur de notre chaire, on a cette particularité où on est doté par certains budgets pour lancer des petites missions de court terme où on interroge ou on essaye de creuser un peu plus un sujet thématique qui intéresse beaucoup de personnes à Bruxelles et essayer de formuler une première réponse pour après établir un débat et essayer de trouver du financement pour des plus gros projets. Donc on a fait notre première mission qui était sur l'économie urbaine, qu'on a discuté un peu maintenant. On pense en faire d'autres sur les plastiques, sur la gestion des déchets plastiques ou autres matériaux plastiques. Et voilà, je pense que premièrement, cette interface et deuxièmement, cette activation de cette interface à travers des projets, c'est un peu le cœur de notre travail pour les prochaines années, quoi. Donc, par rapport à notre rôle d'interlocuteur, hein, pour le monde non académique, hein, interlocuteur entre nous, quand même, faisons partie du milieu universitaire et l'économie circulaire à l'extérieur de l'université. Je pense ce qu'il faut rappeler, c'est que l'économie circulaire a quand même l'avantage ou de briser un peu les silos entre économie, environnement, gestion de l'espace public, gestion des déchets. Ces différents problèmes ou ces différents défis urbains ont souvent été traités de manière vraiment séparée, hein. Il y a une stratégie économique, l'administration économique, les gens de l'environnement travaillent sur aussi des plans, mais ils ne sont pas connectés. Donc l'économie circulaire, comme c'est quelque chose de flou et de très holistique, et une mise en question dans le système économique dans son ensemble, si on va jusqu'au bout, force en fait les administrations à se parler et arriver à une sorte de compréhension partagée, un diagnostic partagé et des outils de mise en œuvre partagée. Et c'est ça, en tout cas, ce qui se passait à Bruxelles. Donc à Bruxelles, le programme régional d'économie circulaire est vraiment une collaboration assez étroite dans la technosphère, hein, surtout dans les différentes administrations, Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté, Innoviris, Hub, enfin des administrations qui changent de nom tous les 10 minutes, mais c'est des administrations en charge de ces différentes thématiques.
Et donc, du coup, il y a eu une. On voit à Bruxelles une collaboration en économie circulaire très étroite entre ces différentes administrations, ces différentes compétences. Du coup, au milieu académique, on n'a pas l'équivalent de ça. Au niveau académique, on est encore dans les spécialisations des facultés, des disciplines. On parle beaucoup dentaire et des transdisciplinarités, mais dans la réalité, la carrière académique est quand même encore beaucoup basée sur une spécialisation et sur l'idée de devenir expert dans une petite niche où on fait avancer la connaissance sur ces petites questions. Voilà. Donc du coup, pour le monde réel, pour la ville de Bruxelles et son gouvernement, c'était très difficile d'activer un peu les milieux universitaires parce que eux, avec leur approche plus collaborative, plus mélangeant les spécialisations, face à des spécialistes sur des mini-questions, c'est difficile de travailler ensemble en fait. Et donc du coup, nous on s'est dit, on va jouer un peu plus en rôle de généraliste. Et ne pas insister sur la spécialisation dans le domaine, mais on essaye de comprendre comment on peut travailler ensemble entre économistes, urbanistes.